Alors, souvent, effectivement, dans les écuries dans lesquelles les chevaux sortent ou pas, on va dire, sont au box, l'été, il y a effectivement de la poussière. Donc, des gestes simples pour limiter ça, c'est d'arroser les surfaces, si sol, ou passer un bon coup d'eau. Effectivement, ça évite que la poussière va dans tous les sens. De mouiller le foin, simplement le mouiller, pas sans le tremper, parce que ça diminue les qualités nutritives. Mais voilà, ça permet que le cheval absorbe moins de poussière et soit moins sujet aux problèmes de toux. Si vraiment le cheval est sensible, parce qu'il y en a voilà, qui sont sensibles au niveau du larynx et qui vont avoir des toux, notamment au début de séance, on peut l'aider. Ce qu'on peut faire pour l'aider juste avant la séance, c'est de lui donner un petit peu de respadrille. Donc juste avant de monter, hein, vous lui administrez une dose de 20 ml directement dans la bouche du cheval et ça va fluidifier la zone du larynx et ça va l'aider justement à éviter d'avoir ces quintes de toux lors du début de séance. Après, pour les chevaux effectivement qui sont malheureusement à l'écurie et qui vont avoir des problèmes plus profonds du type emphysème, donc on appelle aussi pousse. On peut favoriser la fluidité des sécrétions pulmonaires avec un autre produit équistro, qui est là le Secretapromax. Et donc ça va se donner plutôt en cure sur des chevaux qui vont avoir, comme je le disais, des problèmes récurrents. Et donc là, ça se donne enfin, toute l'année, oui, mais plutôt effectivement dans des périodes où la poussière est plus présente, donc l'été et où les chevaux sortent moins.